Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de professeur Asli Mahindero, les examens ta MCI. Donc, le premier examen, c'est un examen l'état déjà 2018. Vous allez voir شحال MCI c'est là. Donc, on va voir ensemble. C'est le premier exercice. C'est un moteur à essence. Donc, on a le cycle de Roche-Terre et Girardin. On a les pressions, on a les volumes et bien sûr, il y a donc A, B, C, D, E, il y a une pression PC est égale à la pression PD parce que là, on sur bon, des satellites, je suis ma route, mais là, on a kiff, pression wahda, donc PC est égale à la pression du point D, on a la pression PB, on a le volume pardon, VB qui est égal aussi à le volume VC, parce que là on kiff kiff. On a le volume VD à peu près, bon, il dit normalement ici, le dessin taillé. Je m'excuse, qu'il est dessin taillé, qui est éclipté, car c'est la catastrophe en personne. On a le volume VA qui est égal aussi à le volume VE. Gamma bien sûr toujours y a ton hanna oui t'as ma ton hanna toujours gamma qui est égal à 1,35 mais généralement il met deux hanna. Première question, je vous qui fait ça hâte alors comme 0,25 0,05 fi battle. Est-ce que vous savez l'expression ter le rendement théorique t'as alpha qu'est-ce qui va se mettre alpha donc minimum on va répondre à l'aide de la question. Donc, le rendement est égal à 1 moins alpha puissance 1 moins gamma. Donc, le rendement qui est égal à 1 moins alpha puissance 1 moins gamma. Après, pour avoir le plus grand rendement, est-ce qu'on choisit alpha tkun kbira ou lesghira? Est-ce que tkun kbira ou lesghira? La réponse est, donc vous allez répondre, 1 moins gamma est inférieur de 1, donc le rendement est en fonction de alpha. On a intérêt à avoir un fort taux de compression pour un rendement bon. Le rendement est bon. Nous avons un bon rendement, pour avoir voilà, un fort taux de compression. Vous pouvez aussi dessiner votre prof le petit diagramme, si je peux dire là, qui est sur le rendement en fonction de alpha. Donc, on a un rendement maintenant, on a alpha maintenant. Et maintenant, le gamma qui augmente. Donc les amis, qu'on a maintenant un bon rendement, on a intérêt à avoir un fort taux de compression. Très bien, on passe à autre chose. La question, la troisième, je crois. On a température max qui est égale à 380 degrés Celsius. On a les données aussi TA qui est égale à 300 Kelvin. Ou Kalek, Arsibeli, rapport de compression max, Mata alpha max. On a de la loi alpha max qui est égale à TB. Max sur TA le tout puissance 1 moins gamma 1 sur gamma moins 1 donc TB je n'ai déjà fait les questions de cours je n'ai déjà fait auparavant donc alpha max est égal à TB max sur TA c'est toujours règle le tout puissance 1 sur gamma moins 1 donc qui dit à TB max était à 380 degrés, TA était à
B300. Également, on a B1,35. Donc, vous allez remplacer et vous allez trouver 9,2. Alors, je préfère ne pas toujours dire les chiffres ou les résultats. Je déteste parce que sinon, traduit, tu fais les mots. Non. Que l'exercice qui fait, c'est où tu as donc tout le maximum les lois de la. La quatrième question, alors calculer le rendement théorique pour que le rapport de compression volumétrique est égal à alpha max. Ta alpha max théorique est égal à le rapport de compression volumétrique. Alpha max. Donc, on calcule le rendement théorique de l'époque, le rendement max, qui est égal à 1 moins, c'est-à-dire la loi théorique. Donc, rendement max qui est égal à 1 moins 1 sur alpha max puissance gamma moins 1. Je répète, rendement max qui est égal à 1 moins, c'est le tout, donc moins 1, je sais, 1. Sur alpha max puissance alpha max a dit puissance gamma moins 1. On a déjà alpha max qui est égal à 9,2, le gamma qui est égal à 1,35, donc on a plus. Vous allez la calculer, vous allez trouver quelque chose, le pourcentage. Bien sûr, c'est un rendement, donc le pourcentage. La cinquième question qui est une question de cours. Alors, d'où balcon, les questions, les examens de MCI, des questions de cours plus des questions des exercices. Donc, des questions de cours, bien qu'on a sur 10 points ou là, l'économie fort, 9, 8, 10 points. Après, les exercices de cours, t'as une question à 4, t'as les questions de cours. Donc, nous avons les questions de cours très très bien. Alors la cinquième question est quand le paramètre qui évolue la tendance à l'auto-allumage d'un carburant. Donc, nous le paramètre qui évolue la tendance à l'auto-allumage d'un carburant. Vous allez dire que c'est l'indice d'octane. Donc l'indice d'octane, où est le paramètre? Il évolue, la tendance à l'auto-allumage d'un carburant. Vous voyez, l'indice d'octane, il sert à apprécier la résistance au cliquetis d'une essence. D'accord? Très bien, on passe à autre chose. C'est une question de cours. Nous trouvons que nous avons quelque part 4 temps à faire la semaine. Très loin. La sixième question, elle est couche nous. L'inconvénient de l'autre manière d'améliorer le rapport de compression. Alors, le seul inconvénient, c'est que le plomb est un poison. Le plomb, c'est un poison. Donc, il y a de pollution. Donc, c'est le seul inconvénient de l'autre manière d'améliorer le rapport de compression. Le plomb est un poison ou il y a de la pollution dans le pays. Très bien. Notre deuxième exercice. Super. Notre deuxième exercice, Alec, Atana CY, il y a le volume, donc il est égal à 1297 cm³. On a Y qui est égal à 9, MC qui est égal à 14 kg par seconde, PE qui est égal à 50 chevaux. N qui est égal à 5500 tours par minute, PCI qui est égal à 44267 kJ sur kg, le rendement mécanique qui est égal à 0,85 et gamma qui est égal à 1,33. Il faut toujours voir gamma chez l'entraîneur, comme toujours, parce que l'indicateur a 1,35, 1,33, 1,4.
donc il faut voir قبل ما تريبوندي باسكو ابري تقاو لي شي فرانتين ما عندك ما داوس مع البروف دالي ما جبتش première question تاعنا avec consommation spécifique donc C S E عطيها لي بالكيلوغرام sur chevaux fois heure et après بالكيلوغرام sur kilowatt heure. Alors, donc, CSE, je finis déjà les questions de cours. Les exercices. Le résumé de les exercices. Donc, CSE, consommation spécifique, qui est égal à MC, donc la masse de C, sur PE. Alors, ça qui est égal donc à la couleur, à la masse C, donc qui est égal à 14, sur PE qui est égal à 50 chevaux. À toi, je dirais 14 sur 50, je vais te faire un truc, le kilogramme sur chevaux fois 1. Je vais te faire le kilowatt, parce que je vais te chevaux, je vais te kilowatt. Donc, vous allez dire qu'il est égal à 0,27 kg sur chevaux fois heure. Et qui est égal aussi, bel kilowatt, la zone, l'andalboha, fois 736 fois 10 puissance moins 3. Donc, bel chevaux, le chevaux, le kilowatt, fois 736 fois 10 puissance moins 3. Donc, l'andalboha dit. 736 fois 10 puissance moins 3, la hine l'a 0,38 l'a bel kilogramme après sur kilowatt heure. Très bien, alors tu vas être au lieu donc mes chevaux les kilowatts et c'est super facile. Après, on a le PI. Donc, le PI, la loi TAO, il y a PE sur le rendement mécanique. PE, on a les 50, le rendement mécanique qui est déjà donné, donc les 0,85. Vous allez le calculer, 50 sur 0,25, vous allez trouver quelque chose de chevaux. On a le chevaux, le kilowatt, voilà que je n'ai pas. Donc, ta chevaux dans le bras fois 736 fois 10 puissance moins 3, à Henrika, un truc, bel kilowatt. Le rendement effectif, qui est égal à PE sur MC fois PCI, qui est égal à Hedayaga, les hoa puissance du carburant, les hoa PC. Donc PE sur MC fois PCI, maintenant PE Andana, 50. MCI, bon, PCI Andana, il y a 44 267. MC عندنا اللي هي 14 دونك 14 هذه راهي 14 راهي سور سكوند فنحولها لور دونك سكوند لور نقسمها سور 3600 باردون داكور سكوند لور دونك هي نضرب فوا 3600 مي راهي لهنا سكوند راهم لتحت داكور راهم سور دونك mais tahta maximera sur 3600. Après, bien sûr, mes chevaux le kilowatt fondable fois 736 fois 10 puissance moins 3 ou la nadrab fois 736 ou naqsem ala 10 puissance 3. D'accord, on est d'accord, d'accord, parce que c'est 50 chevaux, donc 50 chevaux je nhawlha le kilowatt nadrabha 736 ou maximum à la 10 puissance 3. Là, c'est un dernier couloche. On peut calculer de cas le rendement effectif. Bien sûr, tu vas avoir le pourcentage. Donc, c'est 21,3. Pour calculer le PMI, donc les RPI fois 120 sur le volume total fois N.
pays les rois. Pays les rois, les subnats déjà auparavant. C'est 58,82, donc 58,82. Bien sûr qu'il y a là, donc fois 736. Après, fois 120 sur le volume total, où c'est Y, là, on a tout à l'heure, les données. Donc c'est 1297. Alors, centimètre cube, le litre. Donc d'abord fois 10 puissance moins 3. Ou l'intérêt, on a déjà, il y a 5500. Donc on va trouver quelque chose, PMI, bel kilo Pascal. Après, je m'assois au PME. Donc PME est égal à PMI fois le rendement. Donc PMI, le rendement mécanique, aussi, il est 0,85. Vous allez le calculer et trouver quelque chose de kilopascal. Pour le PMF, donc il y a la différence entre PMI et PME. Donc PMI moins PME, PMI moins PME, et vous allez trouver quelque chose de kilopascal. J'espère que pour l'instant, vous avez compris, vous avez compris. J'espère de tout cœur. Comment vous réagissez. Mais j'espère de tout cœur que vous avez compris. La cinquième question, Alec, assemblez le couple moteur CE. Donc CE, canon, 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 canon. Je vous remercie de faire avec le canon, canon, ninja. Ça, c'est impossible. Alors, couple moteur qui est égal à PE sur pi fois n sur 30. D'accord? Donc, PETI, la temps on a déjà les roues à 50. PE, numéro de PE, les roues à 50 chevaux. Donc, 50. D'abord, je vais vous le donc, d'abord, fois 736. Après le 30, il y a le delta, donc le delta il fera, donc fois 30 sur pi fois n, donc pi fois un tel, il y a déjà lié 5500. Vous allez trouver quelque chose pour Newton mètre. Et la sixième question, avec le rendement initial, donc, rendement I, qui est égal à rendement effectif sur le rendement mécanique. Le rendement mécanique déjà donné 0,85. Rendement effectif, c'est 21,33%, qui veut dire 0,213, c'est la même chose. 21,3% qui n'est pas le pourcent, ça veut dire 0,213. Donc 0,213 sur 0,85, nous allons trouver quelque chose qui est égal à 0,25, qui veut dire 25%. Donc le rendement initial TAE, il est 25%. Est-ce que vous savez que Duka a Kokumelto l'examen TA 2018? Vous le savez? Non? Pas. Alors, à Kokumelto. Vous voyez que c'est super facile, hyper facile, et d'être en Hafad les questions de court TAE ou d'être en Hafad les lois TAE. Khlas, andkoum koulish. Donc, je pense que je vais faire un autre examen. Juste après la vidéo, je sais qu'il y a des vidéos, ils ont dépassé les 25 minutes. Donc, vous allez jusqu'à la fin. Alors, je préfère dire des mini-vidéos, mais je ne parle pas trop. Mais je ne parle pas trop. Je l'essentiel. Donc, on se revoit à une autre vidéo, Inch'Allah. À plus.